Et salut YouTube! Nous revoilà après être entré dans la mine et avoir pu sauvegarder dans cette mine. Allez, continue. Le refuge. Allons-y. Alors, ça a dû être ramené ici après la fermeture de la mine. Ouais. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Rien d'intéressant. Ça a le mérite d'être clair. Des balles, tout de même. Caisse de munitions. Ah, la caisse de munitions pour se remettre à flot. Je suis bien équipé en 9mm PB, oui. Ah, il y a des trucs qui se passent. Main power, qu'est-ce que c'est ça? Examiner. Une fiche branchée. Gate 1, gate 2. Examiner. La notice en bas, le levier de l'alimentation principale. Je la baisse, oui. Donc en gros là il faudrait pouvoir ouvrir gate 1 et gate 2 en même temps. Alors comment on pourrait faire ça? Gate 1 ce serait quoi? Ce serait paf paf paf. Gate 1 il passe là, tac tac tac, sachant que chaque fois qu'il y a un embranchement... il passe, tac, 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 ok. Voilà, on le lève, et on va le mettre sur... ouais, examiner, le prends, on va le mettre ici... Tac. Non, c'est pas ça. Paf, paf, paf. Ça descend, très bien. On va faire ça. On va le mettre là. Objet clé, la prise. Là, je fais examiner. On la baisse. Voilà. J'ai entendu comme un bruit de moteur dehors. Eh oui. Fallait faire ça. Et c'est bon, on peut passer par la porte. Mais donc, où est passé le détective, dis donc? Pas de réponse. Est-ce qu'il est passé? Madigan, c'est toi? Non. C'est le gros choual. Par contre, on voit rien. Oh là là. D'accord, génial. Merci. Vas-y, fais-moi chier, connard.
Que tu viens, connard. Oh là là. Oh là là, mais vas-y, fous-toi bien de ma gueule. Oh, qui me saoule. Allez, allez. Le cheval blanc là. Ah, vois pas. Hop, hop, hop. Faire peur. C'est quoi ça? Mais c'est à Kyle. J'ai plus de place. J'ai une fiche en plus. Ah, la fiche en plus. Corian. Par contre, j'ai pas pu ramasser. Le... Flingue, c'est chiant. Encore. Oh, fais chier. Oh, loot. Thank you.
en recharge. Alors, il est où l'autre? Se cache-t-il? Ah, il est là-bas. On va le surprendre un peu. Ah, merde. Ah merde. Fous-toi bien de ma gueule. En charge. Oh putain. Et voilà, bien sûr, le temps de chargement, qui est de la merde. Moi je veux bien qu'il me saute dessus. Limite c'est comme ça que je le toucherai le plus vite. Oh là là. Tu pars d'un enfoiré. Charge. Oh, l'autre. Mais arrête. Sur place. Terrible quand même. Ah, j'ai plus de munitions. Ah, là j'aurais pu lui foutre un coup au corps à corps. Voilà.
Ah là là, fous-toi bien de ma gueule. On recharge. Hop là, le coup encore à corps. Dommage, ça n'a pas fait un critique. J'aurais aimé. Vas-y, fous-toi bien de ma gueule. Eh ben voilà, le petit coup dans le baril qui fait mal. Eh vas-y, fond. Kyle. Oh. On avait eu son arme. Il m'énervait un peu. Mais quand même. C'est quand même dommage qu'il soit mort. Ou pas. Ou pas. On sait pas s'il est mort vraiment. Un objet trouvé. Sectionné. Alors, le pistolet de Kyle machin, il peut faire un flash. Il a une capacité de 12... De 12 balles. Ouais. Bon. On va faire un truc. On va prendre l'eau. Non. Utiliser, voilà. Grenade, on s'en fout. On prend ça. On prend ça. Et on jette le reste. Non. Ah non, pas tout jeter. Ça me fait. Ah. Je suis déjà au max des PV. Des PM. Ah, c'est vrai que j'aurais pu me mettre sur le air slug pour ce boss. C'est pas grave. C'est pas grave. Allez, à la place d'un médicament niveau 2. Paf, voilà. Go! Voilà. Et un levier ici. Je sais pas quoi il sert. Ah, rien. C'est pas bien grave. Qu'est-ce qu'on a ici? C'est fait là cette moto, c'est une grosse cylindrée. De le côté droit, il y a un étui en cuir orné d'une couronne. Cet étui, sa forme me rappelle quelque chose. J'ai trouvé exactement la même forme que l'épée du type de l'Acropolis Tower. Et aucun doute, cherchons d'autres indices. Un autre bouton à côté de celui des démarreurs. Ressemble à une télécommande. C'est écrit porte numéro 2. Appuyez, il se passe rien. Oui. Eh oui, mais voilà. Parce que porte numéro 2,
faut l'alimenter comme il faut. Et pour ça, faut retourner. C'était quoi ce bruit? Ah merde, j'ai plus de balles! Mais quel con! Évidemment! Évidemment. On reprend le. Voilà. Ça c'est fait. Problème du corps à corps, c'est qu'il y a un petit. Il y a une latence. À partir du moment où on essaye de taper. Bon. Alors. Ah, les lampes des portes se sont éteintes. Le système de sécurité a dû se déclencher à cause du court-circuit. Configuration des lignes a changé. Non. Alors, donc. Ça veut dire que. Ça s'allume plus par là. Il faut absolument pouvoir avoir porte 1 ici et 2 ici. Alors, porte 1. Paf, 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 paf. Ça descend. Tac, 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 tac. Tac, 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 ici. Là déjà, je prends. Voilà. Ensuite, on la porte 2. Paf, 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 paf. Ici, 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 ici. Tac, 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 ici. Tac. Examiner. Je la baisse. Très bien. Par contre, on reprend ça. Vous n'avez plus de place. Ah, mince. Alors que j'utilise un truc. Médicament niveau 2. Voilà. Allez, on reprend 500 balles. On se rééquipe le M950 ou alors on équipe ce petit joujou. Qui est un flash. Non mais c'est pas ça. Non mais c'est pas ça. Petit. Ok. Ok. Par contre, juste un truc, c'est quel bouton R1 pour balle et R2 pour un flash, d'accord. C'est R2 pour utiliser le flash. Flash aveuglant qui va stun les ennemis. Le stun est toujours intéressant. Hein. Même si tous les ennemis ne sont pas forcément sensibles au stun. La motocyclette. Elle est là. Télécommande, appuyée. La porte semble s'être déverrouillée. Vu que ça avait l'air d'être là. Euh...
Voilà. On avait vu un court-circuit par là. Là. Ah, c'est bon, c'est là. Elle était juste à côté de la porte. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Pas d'ennemis pour l'instant. Voilà. Pas de dégâts. Hein. Le seul truc de bien, c'est le stun. Putain, mais t'arrêtes, oui. Mais laisse-moi recharger, abruti. Oh là là, mais. Hop là. Il commence à me légèrement peler le fion. Mais oui, mais vas-y, continue de me faire chier. Tu vas fermer ta gueule? Ah, s'énerver. Mais va arrêter de m'emmerder, oui. Mais cette vitesse de chargement de merde. Mais what the fuck? Ah super, hein, super l'ennemi, hein. Ah merci. Merci de cet ennemi qui est censé être un ennemi basique. Bah apparemment c'est de la merde. Et donc on va devoir se refaire le boss. Parce qu'on n'a pas sauvegardé après le boss. Oui. Eh bah quand même. Waouh.
Ah, le nombre de PV qu'il avait, cet enfoiré! Sacoche de ceinture. Sectionné. Qu'est-ce qu'on a là? Montre les attachments. Ah. Attends. Déplacer. Ouais. Ça, c'est quoi ça? 9 mm Spartan. Balle explosive. Ouais. C'est sympa, hein? C'est sympa, c'est sympa. Placer. Pourquoi je peux pas l'utiliser? Emmerde son petit flingue. Bon, en même temps, voilà quoi, l'ennemi n'était pas super sympa. Prendre, voilà. Qu'est-ce qu'on a ici? Ici, on peut voir toute une structure artificielle s'étendre loin vers le bas. Un léger courant d'air chaud souffle dans mes cheveux. Oh là là! Allez, on descend. Qu'est-ce qu'on a là? E49. Ouais, E49. Elle est verrouillée. Comme ça, c'est réglé. Celle-là, on dirait un ascenseur, mais pas en marche. E36, E38, pardon. 38, on peut passer. Oh, putain. Attends, attends, attends. Il y en a un qui se fait. Ils sont canardés, les machins. Mais non! Non, mais dis donc! Hop 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 les tourelles. Beau. Ah. Bon bah moins 10. Moins 10 de battle point hein. Voilà. Ouf. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici? Réfrigérateur fermé à clé. Ouais, celui-là est moins fermé à clé, mais les aliments sont déjà pourris. Les munitions. Je prends les munitions gratos, voire frigorifique, nanana. Ouais. Qu'est-ce qu'on a par là? Ça c'est quoi? E43. L'autre côté. Je n'arrive pas à l'ouvrir. Bon, dans ce cas, voilà. Qu'un seul chemin possible.
D'accord. Donc faut y aller à la bourrin comme ça. Y a pas d'autre truc. Ok. On trouve un objet tranquillisant. C'est bon. Les dortoirs. C'est bien ces angles de caméra où on voit rien. Bon, ça a l'air. On a ici Lily superposée en haut, Kaminsky en bas, Yoshida. Ami, tous ces posters, tananana. Star Trek, la personne qui dort ici doit être un responsable informatique. Ouais. Par contre, il y a un document là, non? Les posters sous le lit, j'en étais sûr, une matériel fitness sur l'étagère. Nan nan nan. Mais c'est quoi ces documents là? Terminaux d'accès. D'accord, mais on peut pas sauvegarder par les terminaux d'accès par Internet? Non. Ah, pas à Internet. Les toilettes. Mais pas de téléphone. C'est plus emmerdant ça déjà. Porte en l'air solide et son verrouillé. Ok, et ici. Les douches. Il y a dit quelque chose ici, j'ai le shampoing corbeille à linge. Rien de particulier. Bon. Ok. Bon, a priori, hein. Ça s'arrête là. Pas ça s'arrête. Y a rien de plus ici. Oh, ils sont bien ceux-là. Ça y est, me voit, hop, paf, paf.
Tiens, mange. C'est gratuit. Alors, qu'est-ce qu'on a par là? Parking souterrain, la porte est verrouillée. Qu'est-ce qu'on a ici? Salle de stérilisation. Ah! Alors attends, c'est peut-être pas par là. Encore que. Peut-être éventuellement un téléphone dans le coin? Ce serait bien. Ça, c'est un panneau de contrôle. Apparemment, il sert... ça s'est appelé la salle de contrôle. Il y a quelque chose affiché à l'écran. Système c'est... Rendu ça s'est verrouillé. Il n'y a aucun risque, apparemment. Aucun risque. Allons voir par là-bas. Qu'est-ce qu'on a ici? Armurerie. Ah, une armurerie. En savoir ça. Hein? Qu'est-ce qu'on a ici? Un rassemblement des distributeurs automatiques payables en BP du Myst. Bien sûr! Bien sûr! Il réagit à ralenti? C'est pas possible! On peut acheter de l'équipement avec les BP. Dommage qu'on puisse pas en vendre pour les BP. Le hammer. Tiens donc, c'est quoi ça? Un accessoire? Oh. Tata, crée une décharge de 12 000 volts. Oui, mais non. Parce que c'est soit la baïonnette, soit ça. Je peux même pas mettre le chargeur avec la baïonnette. C'est dégueulasse. Bon, ok, munitions, ou protection, protection de combat, 12, psychoprotection, protection anti-néo-mitochondrie munie d'un système de téléanalyse, ouais, vêtements de protection NBC, nucléaire biochimique, biologique chimique. Protection lourde, casque muni d'un haut-parleur. 4 attachements. Résiste à la confusion. Affichage des HP des ennemis. Protection contre la confusion, d'accord. Protection contre le poison ou la paralysie. Protection contre le silence. Et détecteur de mouvement. Intégré. C'est pas mal ça! C'est pas mal, comme ça j'ai plus besoin du GPS. Ça peut être sympathique. Que ça je pourrais virer le GPS. Sachant que celle-là me permet d'avoir l'affichage des HP des ennemis. Éteint, c'est un livre. C'est quoi ça? Lecteur de carte magnétique, il faut passer la carte dans la fente. Oh! J'ai une carte noire là! Hé. On déverrouille la porte. N'arrive pas à les ouvrir. Et ici est ouvert. Rempli de munitions. Bon, le pare-belle homme, hein. Normal, là. Celui-là, il est ouvert. C'est quoi? Rempli de munitions. Hydra. Oh putain, oui. Oh là là. Là, je vais pouvoir mettre les hydras.
Je vais pouvoir virer les parabellums. Et une note sur ce fusil hors service. Ah, c'est dommage. Les détacher. Fusil à pompe, il a l'air d'être en bon état. Ok. Un fusil à pompe en bon état. Ça sera toujours mieux que le. Comment? Que le petit pompe que j'ai. Là, il y a une porte qui mène où, je sais pas. Mais je vais pouvoir déjà virer les parabellums. Voilà, en Hydra. Là, on vire le parabellum. Jeter, oui. On va aller vérifier le pompe. Je prends. Et voyons ça. Alors. Le P229, non, c'est pas ça. Ça imite. Bon, merde. Fusil. Le SP12. Capacité 7, oui. Fusil de calibre 12 pour le combat rapproché, puissant mais lourd. Voilà. Voilà, c'est mieux que 3. Hein. C'est. Place de. PA3. Le PA3 qu'on va jeter. Oui. Tchoum. Pardon. Très bien. Ok. Qu'est-ce qu'il y a d'ouvert ici en dessous? Celui-ci est ouvert. Rempli munitions. Buckshot, oui. On remplit. On se remplit de munitions. Quoi ici, des verrouilles à porte. La porte vers où? Ah, la porte qui ramène là. Mais il n'y a pas de. Y a rien de spécial ici. Et même pas de sauvegarde. Pas grave. On repasse là. On va aller à la porte opposée. Ah, regarde, il y a peut-être... non. Un téléphone. Ils sont tous verrouillés. C'est dommage. Ok. Et en face, c'est quoi? Salle de contrôle. Téléphone, téléphone, téléphone. Oups. Petit machin quand même qui ne peut pas se prendre les dégâts de balles, il m'embête un peu. Le petit slime là est pénible. Alors, salle de contrôle, qu'est-ce qu'on a ici?
camp. Pardon. Ok. Ça peut bien servir ce truc, d'accord. Il y a des cadavres suspendus, alignés. Sauf que c'est pas des cadavres. Hein, spoiler. Spoiler, c'est pas des cadavres. Enfin, spoiler. C'était dans un... Spoiler, on l'a vu pendant le... Comment ? L'intro du jeu. Super intro. Qui spoil tous les... Tous les moments de retournement de situation. Super génial. Exit. Exit. Moi je veux bien. Hall d'ascenseur, j'ai déverrouillé la porte. D'accord, ça ramène là. Bah on va remonter. Si le téléphone il y en a qu'en haut, on va aller sauvegarder. Parce que ça va être la fin quand même de cet épisode. Hein, on a mis quand même pas mal de temps là. Et que c'était ennemi de ses morts là. Pénible hein, l'ennemi là, quand même, qui était là. Et à la limite, il était plus chiant que le boss. Parce que le boss, bon, bah c'est un boss. Donc voilà, c'est normal qu'il soit résistant. Mais là... Bon, bref. Allez, on sauvegarde. Tac. Par la mine, à un moment donné, je vois, c'est louche. Bien inspecter cet endroit. Oui, j'inspecte.